La roue, elle vient de sauter. Ah. Deuxième tentative. Hello, coucou, donc voilà, nous sommes à Xi'an depuis hier soir. Donc hier soir on s'est promené du côté du quartier musulman, on a bien mangé, on a testé pas mal de nourriture locale et c'était la veille de Noël, donc du coup c'était sympa, il y avait pas mal d'animation. On a également été du côté de la tour de la cloche, la tour au tambour, et ce matin, après une nuit hyper courte, nous sommes allés
voir le site magnifique de l'armée de terre. Donc la fameuse armée de terre, je vous en dirai un petit peu plus tard, mais franchement c'était vraiment sympa. On a pris un bus donc hyper tôt le matin et on y est arrivé avant l'arrivée des groupes de touristes. Donc du coup c'était sympa, on a vraiment eu le site, pas pour nous tout seuls mais quasiment quoi. De toute façon on est en basse saison, donc du coup c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de monde, mais il y a quand même des touristes hein. Donc du coup on a visité et sur la route du retour on s'est arrêté et on a marché du côté des remparts. Donc là on retourne à l'hôtel pour rendre les clés de la chambre, pour booker un taxi pour l'aéroport, et ensuite il nous reste à visiter deux mosquées, donc voilà, avant de prendre l'avion pour la prochaine destination. Allez, on continue. Donc on est dans le quartier musulman, donc on a fait un tour hier et là on revient en journée. C'est quand même encore très animé, il y a pas mal de restaurants. On va aller visiter une mosquée. Deux mosquées plutôt. Donc c'est l'une des mosquées les plus anciennes de Chine. Je crois que c'est la deuxième, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et l'architecture apparemment est vraiment très très belle. Donc voilà, on va y aller. Follow me. C'est bon? Ok. Ok, dernière visite de Xian avant de prendre le taxi pour l'aéroport, la grande mosquée, et je vous promets qu'elle est gigantesque. Voilà, ça fait je sais pas combien de mètres qu'on longe l'un des murs, donc ça promet. C'est vraiment en plein milieu, en plein cœur du quartier musulman. Et voilà, enfin l'entrée. On y est. Ouh, allez, on y va, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir cette mosquée ensemble.